marché. Appelez-vous. Non, ne tirez pas. T'es un homme mort, Grado. Amenez-vous, fils de pute. On va l'encercler. Il m'a pris en traître. Ça ne se reproduira plus. Je sais. Colonel Hogan, voici les recrues. Je m'appelle Hogan. Je commande cette unité. Vous devez m'appeler colonel Hogan. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez marcher avec nous? Je le fais pour le fric. Et toi? La même chose. Le fric. Et toi? Je suis là pour me marrer. Comment t'appelles-tu, soldat? Cooper. Jacques Cooper, monsieur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette organisation. Mais si vous pensez que ça va être facile, vaut mieux laisser tomber tout de suite. Colonel Hogan. La ferme! Ici, ce n'est pas la marine. Ce n'est pas la marine, le Vietnam, c'est fini. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Parce que je vous ferai pas de cadeaux, les mecs. Je sais que vous avez des tripes. C'est le principal. Mais vous n'êtes pas encore au point. Si vous voulez faire partie de cette unité, faudra prouver que vous êtes les meilleurs dans toutes les disciplines. Dans ce cas, vous serez les mercenaires les mieux payés du monde. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici vivant. Ici, on ne s'embarrasse pas d'inutile. Votre entraînement commencera demain matin. Je vous conseille de vous reposer, la journée sera dure, on n'est pas là pour s'amuser. Quand on s'entraîne, c'est pour de bon. Ce sera tout. Donnez-leur leurs uniformes. Suivez-moi. Comment ça s'est passé? Pas très bien. Le prisonnier a tué un de nos hommes.
merde. On est tombé sur une équipe de gonzesses, ma parole. On recommencera cet exercice demain. Réunis quelques hommes et trouve une autre proie. Et coriace cette fois. Comptez sur moi. Qu'est-ce que tu dis de celui-là? Non, il ne vaut rien. Bouge-toi, Michael, je t'en prie, lève-toi. Michael, je t'en prie, il est presque 8 heures et tu vas être en retard au travail. Ok, tu l'auras voulu. On se lève, allez. Vous êtes vraiment trop bonne. Je sais. Dépêche-toi avant que ton café ne refroidisse. Ce type-là, ce serait marrant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il est parfait. Est-ce que vous pourriez nous donner un renseignement? Oui, bien sûr. Mon copain s'est trompé de route. On aimerait retrouver la rue principale. Ah oui, vous allez tout droit. Quand vous serez au bout, vous tournerez à gauche. Vous faites environ 100 mètres et... Hey, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là, Mickelson? Je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous faites ici, Ockham? On avait fait un marché. Vous payez les frais et je dirige l'opération. Et je tiens à ce que ça continue comme ça. Je suis un homme d'affaires, Ockham. Pas un fou. Il faut du temps pour obtenir le meilleur de ces hommes. Il me faut 3 mois supplémentaires. 3 mois? Je vous en donne un. 1 mois. À l'issue de cette période, je veux que cette opération soit totalement au point. C'est compris? Pas question. C'est impossible. Il me faut un délai. Vous avez assez perdu de temps comme ça. Je veux que cette bande de mercenaires puisse être opérationnelle dans 1 mois, pas un jour de plus. Sinon, j'abandonne. Je laisse tomber tout. Et vous avec? Un conseil. Évitez les menaces, Mickelson. Votre réputation n'est plus à faire, Ockham. Alors faites vos preuves. Je vous donne 1 mois. Va courir. Je te tuerai. Ah!
Qu'est-ce qu'il y a? La chasse a commencé, colonel. Parfait. J'espère que celle-ci durera plus de 10 minutes. Tu me donnes la bonne réponse, je te laisserai peut-être la vie sauve. Où sommes-nous? 75 miles au sud-est de Los Angeles. Et qu'est-ce qui se passe dans ce foutu endroit? On s'entraîne. C'est un entraînement de mercenaires. Quoi? Le colonel estime que la guerre est un jeu. Mais lui, il se prend très au sérieux. Qui est ce colonel? Comment s'appelle-t-il? Hogan, colonel. John Hogan? Oui. Je crois que c'est ça. Ça dure depuis combien de temps? Combien y a-t-il eu de victimes? J'en sais rien. Déconne pas. J'en sais rien, je vous le jure. Je me suis engagé aujourd'hui. T'as eu tort, mon vieux. Colonel, on m'a volé mes armes. Tue-le. Papa, je t'en supplie, viens dès que tu auras ce message. Michael vient d'être enlevé. J'ai peur qu'il lui fasse du mal. Je sais pas quoi faire, papa, je t'en prie, viens vite. J'ai besoin de toi. Vous deux, passez devant. Un à gauche, un à droite. Toi, reste là. Thank you.
exactement ce qui s'est passé. Je t'écoute. D'accord. Mike est sorti pour aller déposer les ordures ce matin. Mm-hmm. J'ai entendu des cris. Et quand je suis allée à la fenêtre pour voir ce qui se passait, j'ai vu un homme le frapper à la tête avec quelque chose qui ressemblait à un tuyau. Ensuite, ils l'ont traîné jusqu'à la camionnette et ils sont partis. T'as appelé la police ? Non, papa, je sais que tu es en retraite, mais j'ai préféré t'appeler d'abord. La camionnette, quelle marque c'était ? Quelle couleur elle était ? Je pourrais pas te dire quelle marque, mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre, comme une camionnette de livraison. Et elle était verte. Elle était vert clair ou vert foncé ? Vert foncé. Mais c'était un drôle de vert comme celui de l'armée. C'est très important. Essaie de te souvenir de la plaque et du numéro d'immatriculation. Tu les as vus ? Je n'en ai vu qu'une partie. Je dis toujours. 2. 4. 4. 7. 7, tu es sûr ? 2, 4, 7. Non. C'était 4, 2, 7. 4, 2, 7. 4, 2, 7. Jamie, tu es bien sûr. Ouais. 4, 2, 7. Papa, tu crois que c'est suffisant pour trouver Michael ? Il faut espérer, ma chérie. Je vais appeler mes copains du commissariat. Ah, j'ai quand même été dans la police pendant 30 ans. Ça devrait pouvoir s'arranger. Je t'en supplie, ramène-le-moi. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je t'adore, papa. Moi aussi, Jamie. Encore une chose, très importante. Dès que je serai parti, barricade-toi, ferme tout, porte et fenêtre. Et ne laisse entrer personne ici tant que je ne te l'aurai pas dit. C'est compris ? Oui. J'y vais. Sois prudent. Colonel Hogan. Qu'est-ce que tu veux ? Ils sont morts, ils sont tous morts. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Les hommes, ils sont tous morts, le fugitif les a tués. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est vrai, il les a tués un par un. Rassemble tous les hommes. Pro. Il faut se séparer, filet. J'aurai la peau de ce fils de pute. Ça me dit quelque chose. Je connais ce style. C'est mon style. Danton. Mike Danton. C'est lui obligatoirement. Oui, c'était le nom sur la boîte à lettres. Pourquoi ? Vous le connaissez ? Et comment ? C'est moi qui l'ai entraîné. C'est pas possible. Un revenant.
Je t'ai pas revu depuis que t'as pris une balle à ma place. Qu'est-ce que tu fous avec ces types-là? C'était pas fait pour être pompiste à vie. Trouve-toi une autre guerre, Jack. C'est le monde à l'envers, c'est lui qui nous chasse. Ferme ta gueule. Ah, amenez-vous. Maintenant tu vas mourir, gros dur. Non, on ne le trouve pas. Il va faire nuit dans une heure ou deux, il essaie de nous attirer dans les bois, ensuite il nous chopera un par un. Laissez-moi m'en occuper. T'auras ta chance, Thornton. Mais j'ai perdu assez d'hommes aujourd'hui. En avant! Prends autant d'hommes que tu veux et déployez-vous sur un kilomètre. On campera ici. D'accord. On ne peut pas le laisser filer comme ça. Il ne partira pas. Pas encore. Il se sait en sécurité ici. Il va récupérer, ensuite, il cherchera à manger. On le pincera demain matin. D'accord. Thank you.
demande ce qu'il pense, hein? Non. Je sais exactement ce qu'il pense, c'est moi qui lui ai appris. Il a eu raison de nos hommes, il les a manipulés comme des soldats de plomb. Non. Comparé à lui, ils ne valent rien. Pas encore. Ce salaud est le meilleur putain de soldat que j'ai jamais eu. Je donnerais n'importe quoi pour avoir 20 hommes comme lui. Ces salauds, ces espèces de minables. Je leur ai donné 10 ans de ma vie. J'ai essayé de leur montrer comment créer le tueur le plus parfait qui soit. Ils n'ont rien voulu écouter. Ils m'ont traité de fou. Mais la guerre est encore plus dingue. Et ça a marché. Mes méthodes ont marché. Il est la preuve vivante que ma méthode marche. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? J'ai été viré de l'armée sans tambour ni trompette avec 600 minables dollars de pension. Espèce de pourri. C'est toi qui l'as créé, qui l'as entraîné. Tu y arriveras avec les autres. Et comment que j'y arriverai? Et personne ne m'arrêtera. Et pour Danton? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu vas en foutre? D'abord, il faut que je lui parle. Quoi? Ensuite, je tuerai ce fils de pute de mes propres mains. Je préfère. Donne-moi une autre bière. Allez! C'est fini, Hogan. Renvoie tes hommes et retourne d'où tu viens. C'est tout ce qui te reste à faire. Ne joue pas à ce petit jeu, mon vieux, c'est cuit d'avance. Laisse tomber. Laisse tomber, sinon je te jure devant Dieu que je vous tuerai tous. Tu sais bien que c'est vrai. Parce que grâce à toi, je suis le meilleur. Et ça n'a pas changé. Tu as bien compris. Réveille-toi, mec. Tout doux, mon gars. Fais pas de bêtises, lâche ton couteau. Tu vas me faire le plaisir de lâcher ton couteau gentiment. À ta place, je ferai ce qu'il dit. Et maintenant, dépêche-toi de filer avant que je ne prenne envie de t'envoyer une volée de plomb dans le cul. Mais allez, dégage. Oh, il est pas net. Ah, t'ont aidé de courir un poil dans les bois. Will, ce type a mangé des rats. Oh, ça m'étonne pas du tout. Ils bouffent n'importe quoi, ces gars de la ville. On y va! Qu'est-ce qui se passe? La ferme. C'est toi qui as tiré tout à l'heure? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est toi qui as tiré ou merde? Non, ce n'est pas nous. Où il est? Où il est? Ah, j'en sais rien. Ah ah. À ton tour. Alors, je t'écoute. À 10 minutes d'ici. Ah. En avant. Thank you.
Fin de l'histoire. Lieutenant, je veux cet homme vivant. Lieutenant! Danton. Le colonel vous parle, monsieur. Je t'emmerde. Prends ça. T'as des femmes qui se battent pour toi maintenant, John. Ça ne te ressemble guère. Encore qu'elle n'ait pas tellement l'allure d'une femme. Ça suffit, laisse-nous, tu veux. Hey! On se retrouvera. Va te faire foutre. J'irai droit au but. Oui, c'est tellement plus simple. Je veux que tu marches avec moi. T'as une drôle de manière de présenter les choses. C'était un accident, ils ignoraient qui tu étais. Et je suis sûr qu'ils s'en foutaient. Se sont contentés de suivre les ordres. Combien, John? Quoi? Combien t'as enlevé d'innocents pour te servir de cible dans tes jeux stupides? Quelle importance? Je veux savoir. Arrête, Danton. Tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut se battre sans ennemis. Tu m'as entraîné. Tu étais différent. Tu étais exceptionnel. Il y a beaucoup d'argent à se faire. La plupart, ce sont des dictateurs qui sont prêts à payer cher mes services. Réfléchis, il y a des millions à gagner. Et toi, tu vaux 10 fois plus que tous les hommes que j'ai ici. Excepté peut-être le lieutenant Thornton. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Hogan? Qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Explique-moi un peu comment un des officiers les plus brillants de l'armée a pu devenir un mercenaire complètement assoiffé de sang. C'était leur armée, et celle-là, c'est la mienne. La mienne. Et c'est moi qui fixe les prix, t'entends? De l'argent taché de sang. Taché de rien du tout. D'accord. Je t'ai entraîné, Danton. Tu me dois tout. J'ai payé mon tribut à la guerre et je ne te dois rien du tout. Allez, marche avec moi. Pas question. Je vais te laisser un peu de temps pour que tu réfléchisses à ce qui risque de t'arriver. Essaye de faire vite. Hogan, je t'ai fait une promesse hier soir, et j'irai jusqu'au bout. T'as aucune chance.